Algérie, le patron de la chaîne de télé Échorouk arrêté. Après le limogeage, en début de semaine du patron de la télévision nationale, ce jeudi, c'est Ali Fodil, propriétaire du groupe médiatique Échorouk TV, qui a été arrêté. Explication. Ali El Fodil, le patron de la chaîne de télévision Échorouk a été arrêté par la police algérienne ce jeudi matin. L'information a été donnée par Échorouk TV, elle-même. Cette arrestation ferait suite aux propos tenus lors d'un débat télévisé diffusé sur la chaîne El Bilad, et dont l'un des protagonistes n'était autre que Chihab Sedik, secrétaire général du Rassemblement National Démocratique RND, un parti de l'ancienne majorité, qui composait le précédent gouvernement. Ali Fodil aurait alors affirmé que Saïd et Nassé Bouteflika sont complices d'actes de corruption. Il les a également accusés d'avoir permis à des hommes d'affaires d'obtenir des lignes de crédit auprès des banques. Il convient de noter que dans ce contexte de la fin du régime Bouteflika, il semble qu'une purge commence à avoir lieu contre les patrons de presse, notamment ceux des chaînes de télévision publiques et privées. Lundi dernier, le 25 mars 2019, c'était le patron de l'entreprise nationale de télévision ANTV qui avait été démis de ses fonctions et remplacé par un homme connu pour sa proximité avec le régime.